Je crois que fondamentalement, il faudrait peut-être interroger plus que les historiens, les anthropologues ou les sociologues pour comprendre d'où vient le rapport d'autorité. C'est peut-être un rapport finalement qui nous vient de très très loin, c'est-à-dire de notre enfance et du rapport au corps, peut-être de nos parents et au corps de notre mère. Alors le roi, évidemment, c'est plutôt le père, entre guillemets, de son royaume. Il a cette fonction paternelle, peut-être que la reine, elle aussi, incarne une fonction maternelle. Et tout ceci se synthétise dans la notion de corps. Un corps qui est à la fois, je dirais, un et multiple, tel qu'on le voit évoluer dans les sources depuis le Moyen Âge, à la fois un et multiple parce que principe d'unité politique, pour, il ne faut pas l'oublier, un État, une nation qui était un petit peu éparpillée, émiettée, diversifiée entre différentes seigneuries, et puis la multiplicité, c'est-à-dire ce multiple d'un corps qui a différentes facettes. On le voit notamment au travers des représentations, des grands rituels monarchiques, et en fait de tout ce qui rend ce système monarchique à la fois solide, mais en même temps évolutif, contraint par la nécessité du temps, par les événements, par les aléas politiques, de s'adapter. Et dans la synthèse que j'ai voulu rédiger, fruit d'une dizaine d'années de publications antérieures, j'ai essayé de voir un petit peu comment évoluer cette monarchie, incarnée dans un corps dont le modèle essentiel au Moyen-Âge est la sainteté, avec le cas bien connu, bien entendu, de Saint-Louis, qui se transforme à la Renaissance avec une multiplication des portraits, des grands rituels de cour et d'une sorte de théâtralisation, pour ensuite culminer quasiment au moment de l'absolutisme, mais évidemment, après avoir culminé, un déclin, ou en tout cas une transformation et une désincorporation progressive au XVIIIe siècle. La Révolution française, en fait, a accouché d'une double situation. À la fois la disparition de ce corps royal, que certains d'ailleurs nostalgiques cherchent, mais à mon sens en vain, dans l'ordre politique, et en même temps une resacralisation de ce corps sacrifié qui, précisément, parce qu'il a subi ce martyr, cet assassinat pour certains nostalgiques, eh bien cet assassinat, le fait d'avoir versé le sang du roi sur le sol de France, a réinstauré une forme de sacralité peut-être qui avait décliné et qui avait été perdue, notamment par des souverains comme Louis XV ou évidemment Louis XVI.